J'ai commencé au FC Grand Lancy jusqu'en Saint-Inter. Ensuite, je suis parti à Étoile Carouge, jouer avec les moins de 15, moins de 19. 4 ans avec la première ligue, où 4 fois on a fait les finales pour monter en Challenge League, on n'est jamais monté. Ensuite, je suis parti une année à Perly, calmer un peu le jeu. 6 mois à Lancy Sport pour rejoindre mon père qui jouait encore en deuxième ligue. Une année et demie à Bernay. Retour à Grand Lancy, j'ai fait 2 ans et demi, des très belles années d'ailleurs. Et ensuite, retour à Bernay, j'ai fait 2 ans avec une promotion en première ligue et je me retrouve aujourd'hui à Collèbes Ma aussi. carrière footballistique, elle a commencé au Lancy Sport, où j'ai fait mon école de foot jusqu'en junior D. Je suis ensuite parti à Meyrin, où j'ai fait quelques années en junior là-bas. Après, je suis retourné au Lancy Sport, une saison, et après, j'ai commencé donc en actif à 15 ans, à Bernay. Ensuite, je suis parti à Grand-Lancy, où là, j'ai fait passablement d'années, presque partie des meubles. Ouais, je crois que c'est une dizaine de saisons en tout. Je suis repassé, je crois, une petite saison par Meyrin, encore, retourné encore à Grand-Lancy. Et puis, depuis un an et demi, donc j'étais parti à Bernay, on a fait la promotion. Et puis, maintenant, Ma Colésien. carrière, c'est pas très compliqué. J'ai fait tous mes juniors à Satigny, une année d'actif. Et pendant mes juniors, j'ai passé un an et demi à Bernay. Bon, il y en a deux, enfin il y en a même trois. Il y a les deux montées, une avec Grand Lancy, donc aussi de deuxième inter en première ligue. Il y a la montée l'année passée avec Bernay, dont il y a pas mal de monde au dernier match. C'est toujours sympa de jouer des matchs comme ça pour des amateurs. Le troisième, c'est le match de Coupe Suisse contre Lausanne. Je crois que c'est l'année où on est monté à Grand Lancy. Aussi un bon souvenir. Ouais, à Satigny. Je pense mon meilleur souvenir, là, il y a un an, les finales pour monter en A Inter. À Satigny, c'est pas très régulier, donc un beau souvenir, même si on a échoué à la finale. Bah, les meilleurs souvenirs, je dirais, les premières finales avec Carouge, quand ça s'est joué sur les 20 dernières minutes à la Fontenette contre Lausanne Sport, où on menait 3-1, on était promu, à l'époque c'était encore la Ligue B, on était promu en Ligue B. Bon, pour finir, voilà, l'issue, c'est qu'on a fini 3-3, donc on n'est pas monté, mais ça c'était un super souvenir, surtout que c'était ma première année, donc c'était juste exceptionnel. Ensuite, des beaux souvenirs, j'en ai eu à Grand-Lancy aussi, en première ligue, où on a pu jouer contre Lucerne en Coupe Suisse, ou même la première saison qu'on a fait, c'était beaucoup des amis, on se retrouvait de l'époque, et on a fait une saison, on a fini je crois troisième, on a explosé le total des points du club, donc c'était juste magnifique. Et puis après, je dirais quand même la promotion avec Signal Bernay, même si voilà, c'était une année un peu particulière, mais c'était une promotion, donc c'est toujours super. Ouais. Pourquoi Collet? J'ai fait plus de 10 ans à Satigny, donc pour voir un peu autre chose. Et je connaissais bien Raph ici, donc j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité de venir à Collet. Voilà, en discutant avec Mehdi, en voyant aussi que avec Marcos Linares et Henri Giraud, on est très souvent ensemble, sachant que Henri allait aussi venir à Collet, que Marcos, ça fait plusieurs années qu'il est là, qu'il y a plein d'anciens Carougeois avec qui j'ai évolué à Carouge, d'autres joueurs avec qui j'ai évolué à Grand-Lancy. Je pense que Collet était pour moi le choix le plus facile à faire pour ce nouveau challenge qui du coup restera pour moi en deuxième ligue inter. Je suis très content d'être là. Pour l'instant, ça se passe très bien. Donc voilà, maintenant à voir ce que l'avenir nous réserve. Mais voilà, je pense qu'on est bien à Je pense Collet. que Il y c'est a vraiment des très vraiment bonnes super, conditions. on a des très beaux terrains, très beaux équipements. Je crois qu'on est bien entouré par le staff ou autre. Donc il y a tout pour faire une belle saison. Surtout que cette année en deuxième ligue inter, il y aura un vrai groupe. Il y a des belles équipes, que ce soit Vaud, Genève ou autre. Donc je pense que ça va être un championnat costaud. Donc c'est aussi un nouveau défi à relever. Et si en plus on peut relever avec des amis, je pense que on ne peut pas faire mieux que ça. Donc aujourd'hui, je mélange plaisir du sport et amitié. Donc c'est ce qu'il me fallait pour, je dirais gentiment, peut-être plus tard terminer en beauté, quoi. Donc voilà. Bah, déjà, c'est presque une histoire de famille, hein, en ayant mon père entraîneur de gardien,
mon frère qui est aussi qui fait aussi partie de l'équipe. Il y a aussi tous mes potes qui sont là. Donc je pense que c'était à faire en tout cas une fois dans la carrière, pouvoir être entraîné par son père et puis jouer avec son frère. Après c'est clair que je ne viens pas là non plus en touriste. L'objectif c'est quand même de faire mieux que ce qu'a fait Collet l'année passée. Et puis pourquoi pas faire une deuxième promotion d'affilée. Très bon début, oui, parce que c'est 3 points. Après, c'est clair qu'il y a du travail à faire. Mais voilà, tout le monde était concerné. On fait une super entame de match, même si on ne s'est pas créé 36 000 occasions. Après 27 minutes, on mène 3-0. Donc on peut que dire que c'est une belle entame de match. Bon, on a eu la chance d'avoir un grand Henri Giraud, non, David Fontaine dans les goals, qui nous fait quand même à 1-0 pour nous un super sauvetage en 1 contre 1. Ensuite, on a eu de la chance, c'est qu'il n'y avait pas de soleil, donc il a pu arrêter le penalty. Mais voilà, après, il y a eu un petit épisode qui a fait qu'ils ont dû tirer un coup franc direct. On prend le goal dessus, on arrive à marquer le quatrième en début de deuxième mi-temps. Un peu de relâchement de la part de l'équipe, c'est aussi le début, il y a des automatismes à prendre. Mais on finit quand même par gagner 4-3 à Dardania, qui est quand même une équipe, je pense, qui risque de jouer le haut de tableau. Et c'est jamais facile d'aller jouer là-bas. Donc je pense que c'est quand même un bon début. Mais il y a du travail et enfin voilà, on est là pour ça. Bon, on a bien commencé. Comme le disait Nicolas avant, 3-0 après 27 minutes. Donc c'est clair qu'on était presque surpris nous-mêmes d'avoir aussi bien commencé. Après, il y a eu, on va dire, un petit relâchement, je pense, coupable. On revient à la mi-temps, donc 3-1. On a la chance de pouvoir en mettre un directement, pratiquement à la rentrée des vestiaires. 4-1, normalement, ça doit être plié. Et puis, ben, eux, ils appuient sur le champignon. Et puis, ça fait 4-2, 4-3. Et les 5-6 dernières minutes étaient assez chauds. Ben, comme Nico et David l'ont dit avant, on a fait 30 bonnes minutes. Au début, on mène 3-0. Après, sur on va dire erreur d'arbitrage, on prend le 3-1 à la 45e. Pas très bien. Et puis, on recommence bien la deuxième mi-temps. On mène 4-1. Et puis, en petit relâchement, 4-2, 4-3. Et puis, on a tenu jusqu'à la fin. Ouais, c'est toujours intéressant de jouer des derbies. En plus, il y en a plein maintenant dans le championnat de 2e Ligue Inter. De jouer des derbies genevois. Maintenant, on sait que UGS, c'est solide. Devant, ça va quand même vite. Donc, c'est mieux de jouer des matchs comme ça que jouer contre une équipe qui attend derrière, qui essaye de tuer le match. Là, on sait qu'il va avoir du rythme. Donc maintenant, à nous de prouver pour notre premier match à Marc Guirded ce qu'on vaut, la qualité de l'effectif, et puis de repartir avec les 3 points. Je les ai vus quelques fois jouer, sans plus. De ce que disent les autres, c'est une bonne équipe qui a joué le haut de classement l'année passée. Donc ça sera sûrement un match compliqué et on espère ramener 3 points du premier match à la maison. Bah, bien sûr, je crois qu'UGS, depuis qu'ils sont retombés, malheureusement, c'est une équipe qui joue tout le temps le haut. Même si la première année où ils sont tombés, je crois qu'ils jouaient plutôt le bas, mais là depuis 2 ans ils sont tout le temps en haut. C'est une équipe qui est, à chaque fois que j'ai joué, j'ai jamais aimé jouer contre UGS parce qu'il y a toujours des très bons joueurs, ils ont toujours un super secteur offensif. Donc c'est vrai que pour moi qui suis défenseur, c'est toujours un peu délicat, mais voilà, après je trouve que c'est bien de les jouer maintenant, après une victoire. C'est vrai que comme tu dis, ils ont fait un match nul la semaine passée, donc je pense qu'eux, ils vont venir chez nous avec l'envie aussi de prendre 3 points. Nous, on a déjà pris 3 points, mais c'est notre premier match à la maison, donc on doit montrer aussi ce qu'on vaut. Donc je pense que ça va être une belle affiche, en plus c'est vendredi soir, donc j'espère que ça va ramener un peu du monde.